sea pigeon patting in the Wowi West, that is in the Douala 4 municipality, that is planning to take over the Douala 4 council over the Social Democratic Front Party. We call it be moving to Marwa, chief town of the far north region of the country, where the National Union, the National Union for Democracy and Progress, is threatening to take or knock out the CPGM party that has been at the helm of the Marwa 2 Council for over 7 years. It is using the lack of schools, benches, and equally lack of good hospitals as way to boot out the CPGM party. This and more in this newscast. Une coalition de 5 partis politiques décidée à briguer les législatives et municipales à Wowi-Sud. Les têtes de liste de cette mutualisation prennent le porte-à-porte pour obtenir plus de suffrages au soir du 9 février prochain. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Législative et municipale 2020, l'opposition mutualise ses forces à Wowi-Sud pour gagner le double scrutin à venir. Les têtes de liste de cette coalition promettent de l'eau potable, l'énergie électrique et un emploi décent à la jeunesse camerounaise. On fait le point dans ce reportage de Claude Kouah, Flavien Valondongo. Une coalition de 5 partis politiques, essentiellement de l'opposition, pour gagner les municipales et législatives à Wowi-Sud lors du double scrutin du 9 février prochain. Cette mutualisation des forces semble être le souhait des adeptes du changement. Nous nous sommes présentés pour faire les choses différemment. C'est pourquoi les populations de Douala 2e nous ont demandé de mutualiser nos forces. Il y a le PCRN que je représente, le SDF, l'ANDP, l'UPC et l'UDC. Nous sommes 5 partis coalisés pour la même cause. Engagés pour la campagne, les 5 partis politiques unis pour la victoire multiplient comme stratégie le porte-à-porte afin de séduire les électeurs à travers des promesses qu'ils entendent tenir. Moi, député de la nation, circonscription du Wowi-Sud, c'est-à-dire Douala 2e, je serai au quotidien dans leur proximité pour essayer de résoudre, n'est-ce pas, les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment l'insécurité. Le problème, n'est-ce pas, lié à l'adduction en eau potable, dont je travaille en étroite collaboration avec la mairie et les administrations connexes, pour que tout ceci, globalement, puisse connaître un solutionnement dans les meilleurs délais. Si le candidat à la députation rassure, la tête de liste de la coalition pour les municipales à Douala 2e promet mieux que les attentes des populations du 2e arrondissement de la ville de Douala. Nous sommes venus leur dire que nous n'allons plus gérer la mairie de Douala 2e à partir de nos bureaux, qu'il y aura une gestion participative des populations à travers les quartiers. Les bonnes fontaines publiques seront réhabilitées, les programmes de désinsectisation seront remis sur pied. Et que, bien évidemment, nous allons créer de la richesse, parce qu'une commune également, c'est celle qui crée la richesse. Nous leur promettons de l'eau pour tout le monde, la sécurité, santé. Nous leur proposons aussi de la lumière, l'éclairage partout, la sécurité et le travail pour les jeunes, parce que les jeunes sont vraiment délaissés. Lors de l'opération de charme menée dans les quartiers de Douala 2e, les candidats à la mairie et à la députation se sont engagés à fournir de l'eau de qualité aux populations. Après avoir fait un constat amer. Que ça disparaisse au soir du 9, dès notre prochain passage. Pour leur proposer quelque chose. Et dès le prochain passage, c'est-à-dire que dès que nous sommes montés le 9, à la place de ces produits-là qui sont risquants pour les enfants parce qu'ils perdent leur vie, nous allons installer des fois les bonnes fontaines de vie. Et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est plutôt à la conquête de la mairie de Douala 3e qu'il a perdue il y a 6 ans. Le Parti de la Flamme a opéré une démonstration de force avec un grand meeting tenu au rond-point Dakar. Plus de détails dans ce reportage de Séverin Chouban et Sylvestre Hippolyte Zangao. Après l'avoir perdu il y a 6 ans, le RDPC a décidé à reconquérir la mairie de Douala 3e. Et c'est par une démonstration de force que le parti a démarré sa campagne. Rostan Tokep, la tête de liste du RDPC pour les municipales à Douala 3e, affirme que tout est mis en œuvre pour que ses camarades et lui l'emportent au soir du 9 février prochain. Le monde, comme vous l'avez dit ici aujourd'hui, population et militants, montre que la victoire du RDPC est là.
Pour moi, c'est la première expérience en tant que tête de liste. Mais pas la première expérience en tant que militant. Je suis l'homme des actions concrètes. Les choses se font déjà, malgré que nous ne soyons pas à la mairie. Les choses que vous pouvez vérifier, le curage des drains, le reprofilage, l'électrification publique. Bon, ça veut dire que quand on sera à la mairie, parce que quand on sera à la mairie, on continuera avec les actions d'envergure. Candidat au poste de conseiller municipal, Lucien Tekam, du haut de son expérience, sait qu'il faudra, en plus de cette certitude, aller à la rencontre des électeurs de Douala 3e. Nous avons promis aux populations que nous allons faire avec elles une mairie de proximité et une mairie sociale. C'est pour ça que vous voyez nos militants, ils sont fiers, ils sont contents d'avoir participé à ce meeting qui pour nous lance définitivement nos pas vers la reconquête de la mairie. Où nous pensons que nous avons toutes les raisons de reprendre la gestion de cette mairie. La suite de la campagne, c'est beaucoup plus axée d'abord sur le candidat lui-même qui doit se présenter et faire le porte-à-porte devant les populations qu'il est censé représenter. Nous vous avons dit que nous voulons faire une mairie sociale et c'est les populations qui sont la base de tous les plans de développement et de leur quartier et de tout l'arrondissement. Donc nous allons faire avec la population de bout en bout. C'est donc au rond-point Dakar que Rostand Tokep et ses camarades ont entamé leur marche en espérant qu'elle s'achèvera à la tête de l'exécutif de cette commune le 9 février prochain. À Douala 4e, le RDPC a également dévoilé son plan de campagne axé sur la décentralisation, l'intégration des jeunes dans les hautes sphères de décision. Pour les législatives comme pour les municipales, les différents candidats mettent tous les moyens en jeu pour convaincre les électeurs. Robert Mokobé et Gladys Sidi. À Vouri-Ouest, les militants du RDPC sont en alerte. Le parti politique a fait le rappel des troupes pour le lancement de la campagne électorale. Avec les listes du développement aux législatives et aux municipales, comme ils les ont baptisées, les candidats entendent poursuivre le travail entamé avec un accent sur la décentralisation, l'encadrement des jeunes, l'amélioration de la politique santé. Nous n'attendons pas les élections pour travailler. Le RDPC est toujours en pleine campagne, en plein travail. Il est toujours là, à construire les ponceaux, à mettre les pavés sur les routes, les bornes fontaines, entretenir les élèves en leur offrant des dons, entretenir la communauté. One of the big pillars is to restructure the environment of Douala 4. The second one is to work with the youths to boost their interest in development. Le plan d'action d'abord, nous savons qu'aujourd'hui, le pays va entrer dans l'ère de la décentralisation. C'est pour cela que nous avons sillonné les quartiers pour dire aux populations que faites le bon choix. Choisissez les candidats que vous connaissez, les meilleurs qui apporteront un changement. Conscient de ce que plusieurs ont perdu confiance au parti au pouvoir, le RDPC Avouri 4 entend aussi rallumer la flamme de la confiance chez ses électeurs. Susciter plus de confiance et d'espoir en la jeunesse par l'aide et l'accompagnement pour la formation et pour l'emploi. Le soutien au développement de l'auto-entrepreneuriat. Le renforcement de la lutte contre la délinquance juvénile et les déviances en milieu scolaire. Le maire sortant, candidat à sa propre succession, entend consolider les acquis et se surpasser en cas de victoire. Nous attirons et nous demandons à toutes les populations de Douala 4e de choisir le développement, qu'on ne doit pas reculer. Bien au contraire, on doit avancer. Et si on va avancer, choisissons la liste du développement. La campagne électorale bat son plein sur le terrain. Les partis politiques en quête d'électeurs étalent stratégie, plan d'action et programme.
La quête de l'électorat dans le septentrion portera-t-elle ses fruits au regard de la précarité dans laquelle vivent les populations de cette partie du pays? Là-bas, les candidats promettent ciel et terre aux populations pour obtenir plus de suffrages le 9 février prochain. Plus de détails dans ce reportage de Amadou Dairou et Nana Paul Sabe. En plein cœur de Marois, des écoles avec des élèves assis à même le sol, faute de table-banc et de salle de classe. Ces images surréalistes qui portent atteinte à la dignité des habitants de la capitale régionale de l'extrême nord sont devenues un enjeu des élections législatives et municipales dans cette partie du pays. Pendant le meeting de lancement de la campagne de son parti à sa résidence à Marois, Amadou Moustapha, président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, a promis des écoles modernes aux électeurs. Les écoles. Les écoles. Vous avez vu des écoles où les enfants sont assis par terre dans la ville de Marois. Il n'y a pas de table banc. Parfois, il n'y a même pas de salle de classe. Ça aussi, ça sera de l'histoire si nous sommes élus. Enfin, vous avez des hôpitaux, ce qu'on appelle hôpitaux, en dehors des grands hôpitaux, les dispensaires urbains. C'est plutôt des sacs à maladie et donc des endroits pour soigner. Tout ceci sera de l'histoire. Voilà, très brièvement, ce que nous appelons le miracle de la l'UNDP. Alors, ceux qui gèrent ces communes déplorent le manque d'argent. Où est-ce que l'UNDP va prendre cet argent pour investir? L'UNDP sait où prendre l'argent. On va prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les contribuables. La commune de Marois Deuxième est dirigée depuis 7 ans par le RDPC, le parti au pouvoir. L'heure du changement a sonné de l'avis du candidat de l'UNDP. Vous savez très bien que tout est concrétisé dans la ville de Marois. La jeunesse a souffert. La jeunesse a tellement souffert qu'elle a senti et elle est actuellement mûre et responsable. Au départ, la jeunesse ne savait pas où aller. Actuellement, les yeux sont ouverts. Elles savent que leur avenir, c'est faire un bon choix pour le changement. Ils ont décidé à aller voter l'ADP pour venir au bout du changement que nous souhaitons, président Marois 2. Effervescence ailleurs, au grand carrefour de Dougoï, où les militants et sympathisants du Front pour le salut national du Cameroun se sont retrouvés pour le lancement de la campagne électorale du parti que préside le ministre Issa Tiroma. Dans un accoutrement surprenant, le candidat à la députation du FSNC dans la circonscription de Diamaré Centre a harangué la foule en langue locale des promesses pour l'amélioration de leurs conditions de vie s'il est élu le 9 février 2020. Après une caravane hier et du porte-à-porte, les candidats du PCRN aux législatives Ivoiri-Est ont tenu un meeting ce jour au stade Marion de la cité SIC. L'objectif est le même, convaincre les électeurs pour leur accorder leur suffrage au soir du 9 février prochain. Plus de détails dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. Et nous vous le disions tout à l'heure, après une caravane hier et du porte-à-porte, les candidats du PCRN ont tenu ce dimanche un meeting au stade Marion de la cité SIC. L'objectif est le même, convaincre les électeurs pour leur accorder leur suffrage. Plus de détails avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Et cet élément que nous aurons dans nos prochaines éditions du journal, la deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Merci, Julien Bédvissai. Une fois de plus, bonsoir à vous. And to you viewers, good evening. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. We begin by talking about the twin local elections to take place across the National Triangle come February the 9th, 2020. In the southwest region of the country, the Cameroon People's Democratic Movement headed by Peter Mafane Musonge, who is the regional campaign president of the regional campaign team in his key
address reminded the militants that the stakes of the campaigns and equally elections are very high in the southwest region of the country. He encouraged them and equally advised them to use modern forms of communication like use of Facebook, WhatsApp and equally SMS in order to reach potential voters in remote areas and equally areas that are insecure. He was speaking during the campaign launch of the CPGM. Details with Derry Jato. The Cameroon People's Democratic Movement is on the move with the 9 February 2020 polls, launching the Southwest Regional Campaign for the municipal and legislative elections. His Excellency Peter Mafane Musunge, President of the Regional Campaign Commission, in his keynote address, reminded the militants of the Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, that it is no secret that the stakes are high. This region, called the Southwest, has been in war for 3 years now, and today there are still disturbing reports in some parts of this region. Some towns and villages are peaceful and calm, no doubt. Campaigns and elections are here. But how will the canvassing phase for the vote, especially at the level of the grassroots, be done? Peter Mafane Musunge has a new approach. Use modern methods of communication like the SMS, WhatsApp, Facebook, etc. To David Mafane Namange, President of the CBDM Faculty, a strategy at the level of Faculty has already been mapped out. The way forward is that we're going to have meetings with our campaign managers, because even though I'm the section president and a list leader, I'm not one directing the campaign. We are working in synergy with the team put in place to ensure our victory as a party. After this regional launch, aspirants are expected to go down to their various constituencies for real action. 15 members of parliament and 897 councillors will be known after the polls, and the card they will be playing in the campaign will be a strong determining factor of who will be in and who will be out. And in the Northwest region, the United Democratic Party of Air Archer Lawan Bako, we are told, is the first to launch campaign in the Bamenda, that's the regional chief town of the Northwest region. And to the party, solving the Anglophone crisis remains a principal objective. And the party's president, Lawan Bako, believes there can be no peace without justice, and that his party is fighting for justice in order for normalcy to return in the two English-speaking regions of the country. Stellenbo reports. The United Democratic Party of El Hajj Lawan Bako is the first to launch campaigns ahead of the February 2020 legislative and municipal elections in the conflict-hit Northwest region. Their leads features 8 women, 7 youths, and eminent House of Fulani personalities. The party believes solving the crisis rocking Anglophone Cameroon is of prime importance. We'll try as much as possible to see that justice for all is implemented in Cameroon so that the Anglophone community will have a better place. Without justice for all, there can be no peace. Any peace without justice for all is temporary. That's one of our fundamental program that will carry on. To achieve this, the party's hierarchy says all hands should be pulled on deck. The people know UDP. They are part of this our community. They will continue to work with us. And that's why we are the Ground Zero, talking daily with them. The UDP, if elected, hopes to rebuild the trust between the population of the Northwest region and the politicians by working in their interest. This trust, should be recalled, has been taken away by the armed conflict, which is entering year 4 this 2020. And the Willing Cameroon Demo, the Willing Cameroon People's Democratic Movement, as a CPDM, equally launched its campaign in Bamenda in the Northwest region with former Prime Minister Philemon Bunyang and heads of the CPDM permanent delegation to the region present. All divisional campaign teams were also present for the launch before going to their respective bases. They were called to respect local realities of the party and put their intelligence at
the maximum in order for a positive result of the February 9th twin elections to the CPDM. The elections will be very important for the region in crisis. That's the Northwest, including the Southwest region, as it is going to usher in the special status for the English speakers. Here now is an excerpt of the former Prime Minister Philemon Yang, who is the president of the permanent CPDM permanent delegation to the Northwest region. Take a listen. We are asking everybody to work hard during the campaign and go out to vote. All the necessary conditions have been taken, have been put in place, and the government is supervising the services that usually do this, are working on this. So no one should be afraid to do the campaign and come out and vote. How important is the twin election to the development of this? This is a very key election. It is an election here of the greatest importance for us, because it is going to usher in the special status, which is important for the Northwest region. It is also an election which is a prelude to the regional elections. And this is going to change the way we're going to function. It is for that reason that the president said that Cameroon is taking a new shape. So this is extremely important for this region and the Southwest region, and definitely for the whole country. Yeah, many Northerners feel that the special status deal doesn't really address the root problems of Anglophone Cameroonians. No, I think that such thinking is not the right way to see things. If you read the text closely and you see how it is going to be put into practice, this text addresses more than you could ever imagine the issues which have been raised before and which continue to be raised. It is in fact the content that is important and not the name you give to it. The special status has a content which cannot be contested, because it is full, it is very promising, it gives more authority to the councils, more responsibility and more money. In Wuri West, militants of the CPDM party, while launching campaigns in the Douala 4 subdivision, promised to bring the people fruits of effective decentralization, equally improvements in health conditions and giving opportunities to youth. To the CPDM candidate for Douala 4, Tabe Mawi, they are not only waiting for elections before working. She says the CPDM has always been active and serving the population, as well as providing their needs like good roads, assist school going children by granting didactic materials and many more. Take a listen to Tebe Mawi, CPDM candidate for the Wuri West. I am the alternate candidate for legislation 2020. Douala 4 constituency. I am under Mr. Fanja Gabriel, who is the titular candidate for legislative election 2020 in Wuri 4. Our plan of action is reacting to the people with the interests of the people. With the help of the population of Douala 4, we are going to make it this year. As we have never seen it before, we have never seen any candidate for that who has worked for Douala 4. I think working with Mr. Gabriel Kanja as a titular candidate for Douala 4 as a parliamentarian, we are going to make it this year, and particularly for the youth of Douala 4 and Cameroon at large. So we have four big pillars. One of the big pillars is to restructure the environment of Douala 4. The second one is to work with the youths to boost their interest in development. The third one is to make sure we share the national cake that is going to be given as a budget for Douala 4 at the root, that grassroots of everybody, at the doorstep of everybody. And it should be noted that the Douala 4 Council has been under the Social Democratic Front for the previous years, and the CPDM is promising to take over the municipality. And we now take you to the far north region of the country, notably in Maruwatu, where the National Union for Democracy and Progress, under
Hamadou Mustafa is equally promising to kick out the ruling CPDM party, and the party is using a lack of schools and benches and equally access to better health services as way to boost or as way to push out the CPDM party. That was during the campaign launch. More in the following report. In the heart of Marwa, children go to school but sit on the ground due to lack of benches in the deplorable classrooms. This situation is the center focus of politicians and candidates running for the municipal and legislative elections in the regional capital of the far north. During the launching of his party's campaign in Marwa, Hamadou Mustafa, president of the National Union for Democracy and Progress, promised modern schools with benches. That the lack of good classrooms and benches shall be history when they are elected. Also to him, good hospitals will be constructed and equipped. The ruling CPDM party has been governing Marwa 2 municipality for over 7 years. Time for change has come, according to the ANDP candidate Halibu Budawa. Tout est concrétisé dans la ville de Marwa. That the youths have suffered a lot, and after realizing this, have promised to go vote for the ANDP for change in Marwa 2. Les yeux sont ouverts, elles savent que leur avenir, c'est faire un bon choix pour le changement. Elsewhere, militants of the National Salvation Front Party, headed by Minister Issa Chiruma Bakari, conversed at the Godowi roundabout to attend the campaign launched. The candidate for Jamare Center, addressing the population in the local language, promised better living conditions if he is voted come February the 9th. And that's where we end this 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Julien Berthebisai, have a nice evening. Merci, Innocent Azet. Je vous souhaite également une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition bilingue du journal. Juste après, retrouvez Duval Fangwa pour l'émission spéciale campagne électorale législative municipale 2020. Bonne suite des programmes sur la chaîne Leader.